Once again, we bring Calvary greeting to all our viewers in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Une fois encore, nous apportons les salutations du mot Calvaire à tous les télé-internautes. You are watching once again the man of God, Apostle Mowento Kapoe Adjonyo. Une fois encore, vous suivez l'apôtre Kapoe Mowento Adjonyo. From the Salvation and Truth Bible Church, Lomé Togo. De l'Église biblique Salut et Vérité, Lomé Togo. We are on the EBSV TV on live stream. Vous nous suivez maintenant sur EBSV TV sur live stream. Thank you for watching. Merci de nous suivre. Thank you for listening. Merci pour le temps que vous nous accordez. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Also want to special thank all those God have touched to be our partners to help us. Et je vais utiliser encore ce moment pour remercier tous ceux-là que Dieu a pu toucher, qu'ils soient nos partenaires. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. For helping us to spread the gospel. Pour l'aide que vous nous apportez pour pouvoir partager la bonne nouvelle. Send the word of God to the world. Envoyer la bonne nouvelle dans le monde entier. Thank you. Merci énormément. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Last week, la semaine dernière, we begin a very important teaching. Nous avions démarré un enseignement très important on the evil visitor, concernant le mauvais visiteur, taken from one of the books God has blessed me with, qui a été tiré de l'un de mes livres que Dieu m'a donné avec. God has used me to publish more than 50 books. Dieu m'a utilisé, j'ai pu publier plus de 50 livres. And these books have been a blessing to Christians worldwide. Et ces livres sont des sources de bénédiction pour beaucoup de chrétiens dans le monde entier. You can also order for yours. Vous aussi, vous pouvez vous en procurer. God will bless you. Et Dieu vous bénira. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Last week we spoke on the evil visitor. Et la semaine dernière, nous avons parlé concernant le mauvais visiteur. The evil visitor. Le mauvais visiteur. And I tried to explain to you the meaning. Who is that visitor? Et j'avais essayé un peu à vous expliquer le type, qui est ce visiteur. And today I'll continue. Et aujourd'hui, je vais évoluer. Let us pray. Prions. Holy Spirit. Saint-Esprit. You are invited again. Tu es encore une fois invité. You are the teacher. Tu es l'enseignant. Come and teach. Viens enseigner. Your people. Tes enfants. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. And amen. Et amen. Once again, we are looking at the 2 Samuel chapter 12. Une fois encore, nous allons voir 2 Samuel chapitre 12. In our first part of this teaching, we took it from verse 1 to verse number 5. Dans la première partie de cet enseignement, nous avons lu du premier verset jusqu'au verset 4. And today, I'm taking it from verse 4 and 5 and up. Et aujourd'hui, je vais prendre du verset 5 en allant. Let's start from verse 4 for better understanding. Mais pour une meilleure compréhension, partons du verset 4. There came a traveler unto the rich man. Un voyageur arriva chez l'homme riche. A visitor came to the rich man. Un visiteur est venu rendre visite à l'homme riche. And the rich man spared to take of his own flock and of his own herd to dress for the visitor that was come unto him, but took the poor man's lamb and dressed it for the man that was come to him. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Before we jump to verse 5, avant de rentrer dans le verset 5, let's touch something in that verse number 4. Touchons quelque chose dans ce verset 4. He said the rich man do not want to take one of his own sheep and prepare for the visitor. Il a dit, l'homme riche n'a pas voulu prendre une brebis dans ses troupeaux pour préparer un repas pour le visiteur. Why was the rich man not willing to take his own animals to prepare for the visitor? Pourquoi le riche n'a pas voulu prendre un de ses animaux et préparer un repas pour le visiteur? That word that says he was not willing. Cette phrase qui dit il n'a pas voulu. That is where we are looking at today. C'est là où nous allons aller aujourd'hui. And I want to say, et je voulais dire, he is not willing to touch or to take his own animals to prepare for the visitor.
It is what we call manipulations of the visitor. Il n'a pas voulu toucher son animal pour préparer un repas au visiteur. Ce qui veut dire, c'est ce que nous appelons manipuler, la manipulation du visiteur. Il a été manipulé par le visiteur. The visitor that came to visit the rich man came with a power. He came with manipulation power, demonic power, satanic power, seducing power, tempting power, confusing power, and he manipulated him, and he forgot who he is, who he was, his judgment, his intelligence, his stature. He forgot everything, and he did something that he never believed he could do in life. Et ce visiteur qui était venu avec une puissance manipulatrice, une puissance qui n'est pas digne. Et c'est ce qui a contraint l'homme riche à faire ce que lui-même n'avait pas, n'était pas en droit de faire, juste de faire. The evil visitor, le mauvais visiteur, with their manipulation power, manipulé par une force étrangère. The evil visitor that comes to confuse you. Le mauvais visiteur qui est venu pour vous confondre, manipuler, bouleverser. We all receive visitors day by day. Tous, dans nos jours, nous recevons des visiteurs. Different kind of things, good visitors and bad visitors, spiritual visitors and physical human visitors. Les bons visiteurs, les mauvais visiteurs, les visiteurs humains et les spirituels. At times you will receive some visitor you are not even aware that a visitor came, because maybe that is a ghost or a spirit or witchcraft, some ordinary air just passed by. Or you just feel somehow a visitor has come without knowing. Des fois, vous recevez un visiteur même sans le savoir. Peut-être c'est un vent qui est de passage, quelque chose qui est venu d'une manière étrange, et vous ne serez même pas conscient qu'un visiteur est là chez vous. In our dreams, we receive different kind of visitors. Dans nos rêves, nous recevons des différentes sortes de visiteurs. That is why some people have what we call spiritual wife or spiritual husband. C'est pourquoi certains ont des maris ou des femmes de nuit. And this spiritual wife or spiritual husband come to pay them a visit, and they have relationship in the dream, in the night, spiritual visitor. Et ce visiteur spirituel est venu faire commettre une relation sexuelle avec eux. Dans la nuit, c'est un mari de nuit ou un mari spirituel ou une femme spirituelle. In Matthew chapter 13, verse 24 and 25. Dans Matthieu 13, versets 24 et 25. Our Lord Jesus Christ taught. Notre Seigneur Jésus-Christ avait enseigné. And he said. Et il avait dit. When men slept. Lorsque les hommes dormaient. The enemy came. L'ennemi était venu. The visitor came. Le visiteur était venu. And sow tears. Et il avait semé des choses, des graines. And when they break. Et quand le jour s'est levé, the man said, "Ah, who sowed these tears in my farm?" Et l'homme a demandé, mais qui est venu semer ces graines, ces mauvaises graines dans mon champ? He was sleeping. Il dormait. He was unconscious. Il était inconscient. When the visitor came, lorsque le visiteur était venu, and sow sickness, il est venu semer la maladie. Sow evil desire, il était venu semer des désirs malsains, malsains. The enemy came. The visitor came and sow trouble, sow confusion, problems. Le visiteur était venu semer la confusion, semer des troubles. And these visitors, et ce visiteur, they come with force. They come with power. Il était venu, ou ils viennent avec des puissances, avec des forces. To confuse someone. Pour bouleverser quelqu'un. That is what Apostle Paul was saying in Galatians chapter 3, verse number 1. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 3, verset 1. He said, "Oh foolish Galatians." Oh Galates dépourvus de sens. Who has bewitched you? Qui vous a ensorcelé? The word bewitch in Greek says baskano. Et le mot
ensorcelé en grec veut dire baskano. Baskano means to bewitch somebody. Baskano veut dire ensorceler quelqu'un. The visitor came to bewitch. Le visiteur est venu pour ensorceler. To baskano our senses. Ensorceler la pensée, le cerveau de quelqu'un. If you read the reaction of David, King David, after Prophet Nathan approached him, you understand that he did this mistake, he committed this sin not willingly, not planned, not willfully, not in desire, but out of manipulation of the visitor. Vous, si vous lisez bien le passage de 2 Samuel, là vous saurez bien que David n'était pas en lui-même, mais plutôt il était manipulé par une puissance, une force étrangère qui est venue le confondre à faire ce qui est contre son désir. His reactions means if he is in himself, he wouldn't have taken another man, the poor man, only a way lamp to prepare for the visitor. He was not in himself. Et ce qui veut dire que si ce qu'il était en lui-même, il n'allait pas prendre l'unique brebis de l'homme pauvre et préparer un repas pour le visiteur. Beloved, bien-aimé, when a visitor comes to visit somebody, si he manipulates. Un visiteur est venu visiter quelqu'un, c'est pour le manipuler. It's to baskano somebody. C'est pour ensorceler quelqu'un. Visitor came as a temptation. Le visiteur vient comme une tentation. So today I'll face the word temptation. Aujourd'hui, je vais faire face à la tentation. Number one. Premièrement. The visitor that came to King David, the rich man, is temptation. So temptation is a visitor. Et la première chose qui était venue à David, le visiteur qui était venu, c'est la tentation. La tentation est un visiteur. And as we read the Bible, et quand nous lisons la Bible, we found how temptation came to visit people in the Bible days. Different people, temptation came to visit them. Nous pouvons voir beaucoup de personnes où la tentation est venue les confondre et différentes sortes de tentations qui est venue sur bon nombre de gens dans leur Bible. In John chapter 10, verse number 10. Dans Jean chapitre 10, le verset 10. Our Lord Jesus Christ said. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit là-bas. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Le voleur ne vient pas seulement pour voler, mais pour détruire et tuer. The visitor, le visiteur, come to steal, est venu pour voler. Come to kill, il est venu pour tuer. Come to destroy, il est venu pour détruire. Come to tempt, il est venu pour tenter. God had promised King David and his descendants that they are going to reign forever. Dieu avait promis au roi David et à sa descendance qu'ils régneront pour toujours. David's future was bright. Et le futur de David brillait. He had hope. Il avait espoir. That tomorrow is going to be great. Que demain sera meilleur, grand. As the devil, the enemy saw the prophecy, the vision, the blessing reserved for David and his children. Lorsque l'ennemi avait vu la bénédiction qui était réservée à David et ses enfants, the enemy quickly sent him the visitor. L'ennemi rapidement avait envoyé un visiteur. As a temptation, comme une tentation, to destroy the good plan of God for David. Et il avait détruit le bon plan que Dieu a formulé pour la vie de David. And that is what the devil is doing to all of us today. Et c'est ce que le diable fait pour bon nombre parmi nous aujourd'hui. When the call of God is upon somebody, quand l'appel de Dieu est sur quelqu'un, when the grace of God is upon somebody, quand la grâce de Dieu se repose sur la vie de quelqu'un, when God wants to use somebody, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, when God wants to promote somebody, quand Dieu veut promouvoir quelqu'un, the enemy, l'ennemi, will be sending in visitor temptations. Va envoyer des visiteurs de tentation. You know that rebellion is a temptation. Savez-vous que la rébellion aussi c'est une tentation? And it's a visitor. Et c'est un visiteur. That came to destroy. Il est venu pour détruire. Yes. Oui.
All kind of sins, les différentes sortes de péchés, that will make God to be angry against you, qui feront que Dieu sera énervé contre vous. And you lost your peace, you lost your blessing, you lost the anointing, you lost the grace. It's a visitor that comes to steal, to kill, and to destroy. Et vous, par là, vous allez perdre la grâce et tout ce qui se repose sur vous comme la main de Dieu. Et le, vous pouvez savoir que le visiteur est venu pour tuer, détruire, tenter. If you read the history of King David, si vous lisez bien l'histoire du roi David, his life has been okay, has been nice, has been good, until this visitor came and problem began. Problem start in his life. Sa vie était meilleure, tranquille, ok, jusqu'à ce que le mauvais visiteur n'entre pour détruire, anéantir sa vie complètement. And as the visitor came and left, problem began in the kingdom of David, and his family, among his children, among his workers, problem that he never finds solution to until the end of his life. Et lorsque le visiteur est venu, et après avoir quitté, les problèmes ont commencé par surgir dans la vie de David jusqu'à sa mort, jusqu'à l'éternité de sa vie. You read your Bible very well. Si vous lisez votre Bible très bien, you will see the wound that the visitor inflicted on the kingdom, on the family of David, immorality, continued to his son, one of his sons, Amon, fell in love with one of the daughter. You know, that wound, the visitor left a wound. Et si vous lisez bien l'histoire de David, vous allez voir que la plaie qu'a laissé le visiteur a continué. La gangrène a pris toute la famille de David. Ce qui a fait même que l'un de ses filles, Amon, est parti même désirer sa soeur, sa propre soeur, jusqu'à coucher avec elle. C'est que le visiteur était venu faire quelque chose, marquer quelque chose, engendrer quelque chose dans la famille. The visitor. Le visiteur. You remember Genesis chapter 3? Vous remember Genesis chapter 3? From verse 1. À partir du premier verset. The visitor came to visit Adam and Eve. Le visiteur était venu visiter Adam et Eve. In the form of a snake, a serpent. Sous la forme d'un serpent. They were in the garden enjoying. Ils étaient dans la jouissance, dans le jardin, dans un plaisir. With the presence of God. Avec une présence effective de Dieu. With the promises of God. Avec la promesse de Dieu. The future was so bright. Et le futur était vraiment brillant. Suddenly. Et subitement. The visitor came. Le visiteur est entré. The serpent came. Le serpent est venu. And that 5 minutes of that visitor in the life of Adam and Eve. Les 5 minutes de passage de visiteur dans la vie de Adam et Eve. Reverse, confuse, destroy God's plan for humanity up to today. 5 minutes. A renversé le plan qu'a conçu Dieu pour l'humanité entière jusqu'en ce jour. Just like that 5 minutes of this visitor destroy everything in the life, in the kingdom and family of King David. À cause les 5 minutes qu'a passé, le passage de 5 minutes qu'a fait le visiteur dans la vie de David et sa famille, qu'il a tout chamboulé. Beloved, I don't know which visitor is visiting you or had been assigned or sent to visit you. Bien-aimé, je ne connais, je ne sais qui est ce visiteur qui a été assigné, qui a reçu une ordre contre vous. But as we are coming closer to the end of this year, mais comme nous approchons la fin de cette année, I want you to begin to pray against every evil visitor. J'ai envie que vous commencez par prier contre tout mauvais visiteur. The evil visitor that will come to destroy God's plan for your life, begin to pray against the visitor. Alors ce mauvais visiteur qui est venu détruire le plan que Dieu a conçu pour votre vie, commencez par l'anéantir maintenant. The evil visitor that come to destroy Adam and Eve and humanity. The evil visitor that come to destroy David. Beloved, they are destroying I and you today. They are coming from left and right. That is what we must be prayerful. We must be prayerful Christians. Alors le visiteur qui était venu
détruit, anéanti la vie d'Adam et Ève, et celui-là qui était entré dans la vie de David et toute sa famille sont là encore de nos jours. Ils veulent entrer, ils entrent dans nos vies. C'est pourquoi cela, nous devons être des hommes de prière. Nous devons prier tout le temps, chaque jour. In Matthew chapter 4. Dans Matthieu chapitre 4. And or Luke chapter 4, both. Either Matthew 4 or Luke 4, you know the story. Vous connaissez bien l'histoire, que ce soit Matthieu 4 ou Luke chapitre 4. The visitor also visited our Lord Jesus Christ. Le visiteur avait visité aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Every great personality always received the visitor. Toute grande, toute personnalité de haut rang, chaque fois reçoit un visiteur. Oui. Adam received visitor and destroyed him. Adam avait reçu un visiteur qu'il avait détruit. Even Abraham received visitor. Abraham lui aussi avait eu la visiteur. Moses received visitor. Et Moïse aussi en avait eu. Even Aaron received visitor. Même Aaron aussi avait eu un visiteur. David received visitor. David aussi avait eu un visiteur. Everybody that have great destiny. Toute personnalité qui a un grand destin devant lui. We receive visitor. Nous recevons des visiteurs. Once God prophesied, God prophecy is on you. Une fois que la prophétie de Dieu est sur vous. Once you receive great visions. Une fois que vous avez une grande vision. A good destiny. Bon destin. The devil will send visitor, temptation to destroy that prophecy, to destroy that vision, to destroy the blessing. Le diable enverra des mauvais visiteurs pour pouvoir détruire ce plan, détruire ce destin que Dieu a conçu pour vous. That is why men of God, we are living in temptation every day. We are living in trials and troubles every day. C'est pourquoi les hommes de Dieu vivent chaque fois dans les épreuves, les tentations et autres. When Jesus, our Lord, came to redeem humanity from the effect of the evil visitor upon the life of Adam and Eve. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était venu nous racheter de ce fait qu'engendré le mauvais visiteur dans la vie de nos ancêtres Adam et Eve. Immediately the devil sent another visitor to visit Jesus himself. Immédiatement le diable avait envoyé un autre visiteur pour venir visiter notre Seigneur Jésus-Christ. But we thank God. Mais nous remercions Dieu. That he overcome the visitor. Que Jésus-Christ a pu dompter ce visiteur. Adam couldn't overcome the visitor. Adam n'a pas pu vaincre ce visiteur. David couldn't overcome the visitor. David de son côté aussi n'a pas pu vaincre le visiteur. But Jesus our Lord. Mais Jésus-Christ notre Seigneur. He overcome the visitor. Lui, il a vaincu ce visiteur. You know that Judas Iscariot. Savez, vous connaissez Judas Iscariot. He received the visitor. Lui aussi avait eu un visiteur. The temptation. Qui est la tentation. The tempter came. Le tentateur est venu. They destroyed him. Et l'avait détruit. Do you know that Peter also was tempted? He received the visitor. Savez-vous que Pierre aussi avait reçu un visiteur? But the Lord Jesus prayed for him. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait prié pour lui. And he was able to be delivered. Et il a pu recevoir sa délivrance. From the effects of the evil visitor. De l'effet du mauvais visiteur. And our Lord Jesus himself said. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dit. He said, "The prince of this world cometh, but he found nothing in me." Il a dit que le prince de ce monde est venu, mais il n'a pu rien trouver en moi. The tempter came. Le tentateur était venu. The temptation came. La tentation est venue. The visitor came. Le visiteur était venu. But he could not overcome. Mais il n'a pas pu vaincre. You know? Bien-aimé. The beginning of greatness is when you begin to overcome temptation. Le début de la grandeur, c'est là où vous allez commencer par vaincre le mauvais visiteur, le tentateur. Once you begin to overcome temptation, that means you are becoming great. Une fois que vous commencez par vaincre la tentation, ce qui veut dire que vous devenez de plus en plus grand. But when temptation begins to overcome you, that means you are going down. You are going down. Mais quand la tentation va commencer à prendre le dessus, ce qui veut dire que vous êtes en train de vous enfoncer. The visitor came. Le visiteur est venu. To destroy God's plans and God's program for your life. Pour détruire le plan et le programme que Dieu a conçu pour votre vie. But you can overcome like our Lord Jesus Christ overcame. Mais vous aussi, vous pouvez vaincre comme notre Seigneur Jésus-Christ
a vaincu. But should in case you have been overcome already, the visitor has overcome you already, you are a victim already. Mais s'il arrive que vous êtes déjà victime du visiteur, qu'il vous domine déjà, and he has inflicted you with incurable disease, et qu'il a engendré des plaies incurables dans votre vie, des maux, I want to end this second part of this teaching with the prayer of David in Psalm 51. Et je vais finir cet enseignement, cette partie, avec la prière que David a fait dans Psaume 51. David recognized that the visitor had destroyed him. David avait reconnu que le visiteur l'avait détruit. And so he began to pray and fast. Et il avait commencé par prier et jeûner. He said, Lord, il avait dit, oh Seigneur, restore unto me, restaure en moi, the joy of my salvation, la joie de mon salut. David knew he had lost something. The visitor had stolen something. David savait que le visiteur avait volé quelque chose. He said, God, heal my wound. Et il avait dit, oh Seigneur, guéris mes meurtrissures, ma plaie. Yes. Oui. Heal me. Guéris-moi, Seigneur. Because he knew a wound has been inflicted. Parce qu'il savait qu'une plaie a été engendrée. He knew that he had lost the Holy Spirit. Et il savait qu'il avait perdu le Saint-Esprit en God lui. Can do the same thing for you today. Dieu peut aussi faire une pareille chose pour vous If aussi. You can agree si vous pouvez être with en accord the word of God. Avec la parole de Dieu. And let us pray together. Et nous allons prier ensemble. Wherever you are, partout où vous vous trouvez. Join me in prayer. Alors joignez-moi dans la prière. And begin to prophesy. Et commencez par prophétiser. Begin to speak and confess with your tongue. Commencez par prophétiser, confessez par votre langue. Dis Seigneur. Say Lord. Dis Seigneur. Repeat after me. Say Lord. Répétez ceci après moi. Dis Seigneur. In any way. Dans tout cas. The enemy, the visitor has visited my destiny. Que le visiteur a visité mon destin, ma destinée. And they have destroyed me. Et qu'ils m'ont détruit. I come to the cross of Calvary. Je suis là maintenant sur le mont Calvaire. And I'm asking for the blood of Jesus. Et je demande le sang de Jésus-Christ. To wash me and purify me. Qu'il me lave et me purifie. Rebuild my destiny, O Lord. Et restaure ma destinée, Seigneur. Restore my salvation, O Lord. Restaure mon salut, Seigneur. And give me a new life. Et redonne-moi une nouvelle vie. Give me another chance. Donne-moi une nouvelle chance. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Let me pray with you. Que je prie avec vous. Stretch your hand to the screen. Tendez la main vers l'écran. Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions encore une fois pour ta parole. As you have given me, I have delivered. La manière tu me l'as donné, je l'ai délivré. I pray for my Jewish. Je prie pour celui-là qui in me any way they recognize that the visitor has affected them. Dans tous les cas, ils reconnaissent que le visiteur l'a infligé quelque chose. I pray for their healing. Je prie pour sa guérison. I pray for their deliverance. Je prie pour sa délivrance. I pray for miracles. Je prie que le miracle s'accomplisse. I pray for special grace. Je prie pour une grâce spéciale. I pray for restoration. Je prie pour une restauration. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. And amen. Et amen. Beloved. Bien-aimé, thank you. Merci. Thank you for watching. Merci de nous avoir suivis. Thank you for being faithful to the EBSV TV. Merci pour la fidélité que vous accordez à EBSV TV. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. If you are blessed with this message, si vous êtes béni par ce message, I want you to share it. J'ai envie que vous le partagiez. Share it on Facebook. Vous le partagez sur Facebook. Share it on other social media. Sur les autres réseaux sociaux. To be a blessing to other people. Pour qu'il soit une source de bénédiction pour les autres aussi. And secondly, et en deuxième position, you can be our partners. Vous pouvez aussi être un de nos partenaires. Support us. Nous supporter. With your finance. Avec vos finances, bien sûr. For the expenses of this TV and this mission of sending the word of God to people. Pour les frais de la télé et les frais de la mission pour pouvoir envoyer le message, la bonne nouvelle aux autres aussi. Our details are on the screen. Et nos détails bancaires et autres sont sur l'examen. You can do transfer. Vous pouvez faire par transfert. You can send in MoneyGram or Ria or Western Union. Vous pouvez envoyer vos dons par MoneyGram, Ria ou Western Union. No matter how little. Peu importe sa petitesse. $100, $100, $50, 100 euros, $50,
$100 or even $5 or $5, même 5 euros, God will accept it. Alors Dieu va les recevoir. And if you want our books, et si vous voulez avoir un de nos you livres, can command. Vous pouvez commander. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you. Merci beaucoup. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And we move to the third part. Alors je vais aller dans la troisième partie. So, get ready. Allez, soyez prêts. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.